Zami, comment nous est? J'espère que nous sommes en forme, sont plaisir pour ensemble avec nous pour venir parler de football. Côté que moi parler nous de possibilités de Haïti, mais moi parler nous tout de paquet de bagages. Comment ça prend une vidéo? C'est parce que moi parler nous de comité de normalisation avec FIFA. Comment moi parler montrer nous que bagages est arrivé. Moi parler montrer nous hier, pas les lettres là, je dis à les lettres là, moi parler dire nous qui ça me penser et qui ça dossier ça gué la dernière et moi parler nous tout de Jamaïque. Et deux Gold Cup là, deux Copé de Placide, des deux toujours ici qui ont joué pas de demi-CV, qui ont gagné match pour eux. Nous allons parler de ça, mes amis. C'est pour la première fois que je suis allé dans le parler football haïtien, deux joueurs haïtiens qui ont évolué national et international. Abonnez, invitez les amis à venir abonner sur le parce que nous avons un rêve, faire le channel arriver à 100 000 abonnés. Faut pas nous plaquer YouTube bientôt. Avant 2026, et nous espérons que Haïti capable de participer dans la Coupe du Monde 2026 là, par rapport avec ça que nous-mêmes nous t'as supposé faire. Est-ce que son bagage qui possible? Oui, il est possible, il n'est pas impossible. Mais pour le possible, faut que les dirigeants eux-mêmes aient un plan de développement et un plan qui est bien bâti pour sélection ça. Malheureusement, rien pour qu'on dit. Bon, commencer avec mon bagage qui est très sérieux. On va aller dans le comité de normalisation qui était là depuis en 2020. Côté que nous connaissons toutes dérives qui passaient dans la Fédération haïtienne de football, côté que était nommé, yon comité normalisation qui était un président. Président vient que il pas capable, j'ai ça qui fait, il bail vague et monsieur ça, il était vraiment Jacques Létang. Côté que il était bail vague, il était remettre démission avec la FIFA. Et c'est Monique André qui a fait la pluie le beau temps. Il revient à mettre à quelques mois, quasi en 2023, là, il vient ajouter un autre monsieur qui c'est Hernandez, qui actuellement, qui c'est président et président comité normalisation, il y a un autre membre pour ajouter. D'après une lettre que la FIFA a adressée avec la Fédération haïtienne de football, soit comité normalisation, qui était venu tout simplement régler les affaires courantes. Les affaires courantes seulement. C'est qu'on a abordé avec cette question licence des clubs. Dans le rapport ça que la FIFA a voulu, dans la lettre qu'il a adressée avec la Fédération haïtienne de football, côté que lui mentionné que la Fédération haïtienne de football a fait travail là normalement, travail que était venu faire, il était réglé toutes les affaires courantes, côté même. Yo dit comme ça que la Fédération haïtienne de football t'a fait championnat joué dans le pays. Comme yo dit, c'est 2021, championnat t'a joué en Haïti, pas connaît. Seulement ça que yo mette dans le rapport qui est respectable, à côté que yo dit comme ça que yo t'a organisé toute sélection pour jouer, malgré que nous connaissons une sélection qui n'a pas sélection pas participé dans la compétition, qui c'est sélection U13 qui a passé dans la compétition et qui n'a pas participé. Et sélection U20 qui t'a participé tout qui pas participé dans affaire mesdames yo malgré que yo dit toutes yo dit toute sélection pourtant li pas toute sélection m'ka dit quelques sélections nous connaît que on moun k'ap travail pour moi m'pa t'ap jamais dénigrer un moun que m'a moi par exemple m'pral bay un l'autre poste par rapport ça le fait même si que gen quelques ti légèreté m'pa blâmer pour ti légèreté pour tout moun légèreté m'a blâmer en privé. FIFA ka blâme yo en privé, mais comme ça, tout gen pa ken blâme qui fait. Et bien, côté que, yo même dit qu'on a fait plusieurs réunions qui sont fructueuses, quoique, et club yo, gen club qui était redoumant parler entre dans le dossier. C'est comme si m'ta dit que yo présenté comme comité normalisation sur un chèque rose, représenté comme si comité normalisation qui fait un bagage qui normal, qui bien travaille. Malheureusement, par contre, côté yo que yo travail là. Nan même lettre ça, dans lettre, nan côté que yo fait qu'on est que yo rénové, yo metté, établi complètement. Complètement, yo dit, on est question de Run Squad de Bouquet qui déjà pral ouvrir. Ça veut dire que pral ouvrir, t'allais là, pral recevoir Timoun pour que yo capable continuer à faire ça. Yo dit que yo nommé et quelques membres pour protéger Timoun sa yo tout, capable de travailler Timoun sa yo pour pas subir même ça que yo te kon subir en dedans. Et c'est ça que tu as fait qu'on est dans l'être là. Ça qui fait mal dans l'être là, c'est que, il y a dit ça, m'a posé cette question, est-ce que vraiment, Jean Croix de Bouquet, je dis là, est-ce que vraiment, qu'on mouvement que tu fait pour être capable de mettre Ranch là, nous avons dit, réhabiliter Ranch là pour être capable de recevoir Timon. Ça, c'est la grande question qui se pose. Mais tellement nous connaissons que nous-mêmes haïtiens nous pas tellement aimé lié la guerre ce matin comme ça nous connaissons pas cette île malheureusement ça doit l'idole en pile côté que nous pas parler de ça
On parle pas d'un dossier qui paraît un peu difficile à partir de 6h à soir, pour arriver 8h du soir, nous parlons qu'on est, est-ce que Haïti a qualifié directement pour Gold Cup là, féminin, non? Est-ce que tout Haïti peut aller directement tout dans le barrage là? Pour Haïti pas qualifié directement, faut équipe ça, qui c'est équipe, Costa Rica bat plus que 13 goals. Pourquoi ça me dit plus que 13 goals? Il y a 13 goals. Ça veut dire que faut faire 27 goals. Dès vous faire 27 goals, il y a passé. Si on fait 13 goals devant l'équipe là, Haïti et plus comme au même été 13 goals tout, laisse ça, yo pral gen en question de yo pral gen que yo pral gen même quantité goals ensemble avec nous. Non maintenant même quantité goals ensemble avec Haïti. Haïti te fait un goal là Kaili. Le on pral faire des goals avec Jean, Haïti ka passe après le passé. Par rapport que Haïti te marqué goal la kaili. Ça, nous chaque mort de goal ou bam de goal, mais comme c'est là de goal mba ou an, te marqué ou te batou la kaili, ou te marqué goal la kaili ou pas te marqué la kaili, moi, avantage souf, ça Haïti ka passe. Mais depuis marqué 14 goal, nous pas gagné espoir encore pour nous participer, pour nous qualifier direct. Une possibilité, si nous pas qualifier direct, n'a pas de possibilité pour nous croiser des équipes, tant coup, mais équipes qui déjà qualifiées, qui c'est Salvador, qui c'est Guyane, ça, qui c'est Guyane qui qualifié. Ça fait deux équipes qui qualifiées directement que nous prenons le temps pour nous connaître comment ça allait même la pied. Et puis, il y a Bermude avec République Dominicaine qui prend le gourmet pour nous connaître entre et Bermude et République Dominicaine, est-ce que c'est eux qui qualifient, c'est eux là-dedans qui qualifient. Parce que l'équipe, Bermude a 13 points, République Dominicaine gagne 12 points, li pa recevoir République Dominicaine a recevoir Bermude la Kaili. Faut que li bat Bermude pour le passer, s'il fait match nul, Bermude cap passer, Bermude cap qualifier pour 3 pour jouer l'autre deux équipes ça qui c'est Salvador et Guyane. Les ça pour nous connaître comment ça va le faire, c'est équipe cap sorti, cap deuxième yo cap croiser. Équipe cap deuxième dans groupe dans Ligue A cap croiser avec équipe cap premier dans Ligue B yo cap sorti dans Ligue B qui gagne groupe A groupe B groupe C et dans groupe dans Ligue A qui gagne groupe A groupe B groupe C les ça yo pral croiser 3 2 on ka dit 3 deuxième yo contre 3 contre 3 premier dans groupe là ça veut dire que bon 3 ça qui capable premier équipe premier dans groupe dans Ligue B am déjà ba ou c'est Salvador qui en premier qui passe dans A dans DAC équipe Guyana, dans CA, c'est équipe ça qui République Dominicaine avec l'autre équipe là qui c'est Bermude n'a connait ces derniers journées qui a joué mardi n'a connait est-ce que c'est eux même qui a qualifié directement pour compétition une ladder qui a qualifié direct une a prêté dans Ligue B c'est comme ça ça a dit qui ça que nous ka dit encore gagne équipe jamaïcain qui passait complètement loin de compétition qui pas qualifié. Gagné après Coupe du Monde là, équipe majorité joueuses jamaïcaines qui, on a dit grand joueuses qui étaient qu'on a joué avec l'équipe jamaïcaine là, ils ont tout campé, ils font grève, ils ont pas joué pour Jamaïque. Ça veut dire que heureusement nous même ça pas arrivé pour nous. Mais et c'est une raison capable Jamaïque pas fait aucun victoire dans la compétition, il fait 3 matchs nuls, il perd un match et il est tout éliminé tout, il descend directement dans la Ligue B. Côté au poil goût mais encore plus tard remonter si crise ça pas sorti pas yo pas régler crise ça n'a toujours une Jamaïque goumen pour réussir gon équipe parce que ou paquet de joueuses qui vraiment joueuses cadre dans équipe là qui passe plus que 12 à 13 joueuses ou 14 joueuses qui c'est joueuses cadre dans équipe là qui pas choisi jouer pour Jamaïque. On paquet de dossiers qui paraît très laide. Nous même tout ne pas souhaiter un jour qu'Haïti tombe dans le dossier ça. Même si nous même dans la sélection senior garçon 1, c'est ça qui a passé dans la sélection senior garçon 1. C'est presque même bagay yo. Mais la sélection garçon 1, même c'est trop ego qui gagne la dernière. Bah yo, peut-être. Je dis à tout, Gekon Kakaf tout qui tout rend visible tout un stade qui gagne pour recevoir. Recevoir et compétition ça qui c'est Coupe América et qui a fait sorti 20 juin pour arriver et pour arriver 16 juillet qui a fait c'est comme ça ça bien côté gon paquet stade c'est tout à fait intéressant stade ça même là et m'a posé cette question comment ça va aller combien de bol qui ont même qui confirmé avec combien de bol qui confirmé ça par exemple Levi's Stadium qui est en California, Gain Sophie Stadium en California tout, Gain Allegiant Stadium qui est en Nevada, sans pas oublier un State Farm Stadium qui est en Arizona tout,
gen tout gen ki tout stadium ki nan Texas. Texas gen n'importe 3 takou LNG Stadium et TNT Stadium tout gen Children's Mercy Park ki nan Kansas City gen tout gen JIA HE Field nan Missouri. Sans pas oublier Mercedes-Benz Stadium dans Atlanta, gain tout dans North Carolina qui gain stadium qui c'est Bank of America, gain tout Exploria Stadium dans la Floride, sans pas oublier Hard Rock Stadium qui trouve dans Floride et puis gain MetLife Stadium qui dans New Jersey, c'est quantité stade ça après c'est voir tout match tout à fait intéressant. Coupe du monde avec Coupe América, ça va être sérieux. Malheureusement, Haïti pas dans Coupe América. Haïti pas dans Coupe América, mais qu'on est en pile haïtien à suivre Coupe América. Parce que gen Brésil la donne, gen États-Unis la donne, gen Argentine la donne, gen Paraguay la donne, pour pas que l'autre équipe qui participe à la compétition. Ça parle vraiment intéressant. Nous avons fait Coupe en Bulgarie. Coupe en Bulgarie demain CV à 10h30 dans le matin. Gen équipe CSK Sofia, qui a apprécié voir l'équipe, ça qui c'est l'équipe Leski Sofia qui a été joué pendant la semaine. Il a été joué, il a dit qu'il a été joué pendant la semaine, qui a été fait match. C'est CSK Sofia qui a joué contre Slavia Sofia. Demain CV 10h30 dans le matin. C'est comme ça. Pour l'équipe qui gagne. Par exemple, Lokomotiv Sofia a déjà éliminé tir au but 4, tir au but à 1 devant l'équipe FK Spartak Varna, côté qui était éliminé son équipe en 2e division, côté qui était éliminé dans ses 8e de finale qui a joué. Et tout en 8e de finale, ça a commencé à être content que le Godoès qui a joué contre Lokomotiv Plovdiv, c'est une grosse équipe. Ça a équipe CSK, l'équipe SCSK 80-1948, Sofia qui a joué contre l'équipe Biwola, on va dire ça. On pas que ton équipe qui est dans compétition, ça, c'est tout à fait intéressant. On dit que l'équipe Johnny Placid dans sa fait Ligue 2, demi CV à game match, c'est tout à fait intéressant dans Ligue 2 dans le pays de la France, côté que game match côté Johnny Placid lui-même qui déjà avait dans ville de Dunkirk, côté que Dunkirk a pris ses voix équipe Bastia pour sa fait journée si là, c'est tout à fait intéressant. Baba les prix le nom, on va dire connecter sur Chanel là, et puis on va dire bonne semaine à tout le monde.